Salut bande de dingo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la fin de Amnesia le Bunker. Et oui, et oui. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et tout, à vous abonner à toutes mes chaînes YouTube. J'en ai 50. J'ai 50 chaînes YouTube. Chaîne YouTube VOD, chaîne YouTube Clip, chaîne YouTube de merde, chaîne YouTube Basique, ancienne chaîne YouTube, chaîne YouTube Cringos. On a toutes les chaînes YouTube du monde. Je fais le business. Le business, c'est moi. En ce moment, je tryhard Pays des Trois. Ah, ça y est. Ouais, tu tryhardais déjà avant, non? Un peu. Tryhardais déjà. C'était niveau 27 quand on a joué ensemble. Alors que le jeu, tu l'avais fait... T'avais un peu joué, on va dire. Je sais pas jusque quand tu joues et tout. Ok, du coup, on est de retour au spawn, là où j'avais sauvegardé le jeu, et on va partir récupérer la pince coupante dans la prison, normalement. Ah, je crois que j'ai déjà eu. Non, je suis déjà allé, les gars, je suis déjà allé. Ouais, je me souviens parce que j'ai déjà ouvert les prisons pour récupérer la pince coupante. Maintenant, si je veux, au lieu d'aller directement dans les ruines romaines, je peux fouiller les zones pour récupérer des bonus et des grenades et tout, pour essayer de battre le monstre à la fin. Facilement, je veux dire. Et ouais, qu'est-ce que tu veux? Aïe. Le multivers est réel. Oui. Faudrait que j'achète des nouvelles casquettes ou un truc. Mais ça, c'est la seule casquette que j'ai, et c'est même pas la mienne, c'est celle de ma sœur. c'est même pas celle de ma sœur. Hein. C'est une casquette qu'elle a chopée de je sais pas où. Elle est tellement vieille, je crois qu'elle a 40 ans, la casquette. Oh, waouh! Ah oui, regardez. Pince coupante, et à molette. Et j'ai un bordel absolu dans mon stuff. Ok, et le monstre, il peut venir ici, maintenant. Et je vais voir vite fait combien il reste. Oh! Je suis foutu. Ok, c'est pas grave, ça fait partie du gaming. Maintenant, on va aller s'amuser. Putain. Et on va aller fouiller les zones comme un schlagos. C'est parti. J'espère que le jeu est pas trop fort là, le son. L'arsenal, c'est à gauche, mais je vais peut-être aller au quartier des soldats avant. D'accord? Je me souviens pas qu'il y ait des trucs là. Peut-être faut que je trouve les zones. Parce que là-bas, c'est l'arsenal, non? Ouais. Ici, c'est l'arsenal. Ah, regardez. Officer Squarters. Il y avait quoi, ici? Ah, si, attendez, deux secondes. Ici, il y avait une masterclass cosmique. Pour rien. Voilà. Ici, il y avait une masterclass cosmique. Pour ceux qui se souviennent pas, j'ai fait toutes les zones, sauf l'arsenal. Il me permettra en fait de récupérer un détonateur pour activer une dynamite pour me permettre de fuir le bunker. Parce que le bunker, il est enseveli en fait. Sauf qu'il y a un monstre qui grouille dans les plafonds, etc. et dans les trous là. Et il me suit, il me lâche pas si tu veux. Par contre, je suis full stuff ou c'est moi? Ah merde. Faut voir que je trouve des trucs. Ok. Bon, ça clignote, ça sent mauvais. Et je rigole zéro. Je suis jamais venu. Oh waouh! Comment ça, je suis jamais venu? Mais attendez, il y a plein de trucs! Il y a plein de trucs! C'est une dinguerie! C'est une dinguerie de faire ça! On va dire. C'est une dinguerie! Information sur le prisonnier numéro 73014. Les autres cellules étaient en vide, j'ai commencé un programme d'interrogatoire agressif. J'espère que les cris ne vous ont pas empêché de dormir. J'insiste encore sur le fait qu'il n'est qu'un simple soldat, que son grade a été accepté dans le monde. J'ai déjà lu. Ok, ça. J'ai ordonné d'augmenter le niveau de sécurité de l'arsenal, verrouillage et code. Je vais débusquer les responsables de cet acte horrible. Justice sera faite. Pour la France! Ah ouais, c'est un jeu qui se passe en France. Bah en fait, j'avais déjà lu le truc en fait. N'hésitez pas hein, par contre, si j'oublie de changer ma voix là. Est-ce que... Bah, je le fais tout le temps. What the fuck? C'est vrai que j'ai l'impression que je suis jamais venu ici. Pourquoi? J'en sais rien. Mais en fait, si, je suis déjà venu. Non? Je deviens un fou. Je viens à faux. Je dois aller où? Attendez.
Ah, la porte, elle est cassée. What the fuck? Ok, je suis en train de perdre du temps, ce qui m'arrange pas trop. Parce que moi, mon objectif, c'est de récupérer de l'essence. Si je récupère de l'essence, je vais être bien. Je vais être bien. Ça va être propre. Là au-dessus, il y a l'infirmerie, ok. Et là, il y a les rats. Sauf que dans cette zone, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses. Et il me faut la torche pour pouvoir les niquer. Ça. Get down! Ah merde, il y a un truc là. Attendez, je suis con. Il y a un truc à couper ici, j'avais pas vu. Regardez. Comment on fait? Ah, comme ça. Ça fait du bruit, j'espère pas. Je suis dans le sgeg. Ok, let's go. Une bouteille. Ok. De l'essence. Plein de bouteilles, putain de merde. Un document. Ok. Oh, Yanou, tu te souviens du truc à couper là sur une étagère là? Il y avait une étagère où il fallait couper. Ah putain, il y a plein de trucs à lire. Ok. Désolé, il faut lire, hein, c'est le lore. La rue signale que le noyer est la source du problème. Il raconte aux hommes que ces satanés textes contiennent des récits de rituels païens qui étaient pratiqués dans ces tunnels. Des histoires épouvantables et terrifiantes. Les superstitions et les rumeurs se répandent désormais parmi les hommes. Une flasque ouverte ou une maladie vénérienne. Certains disent même avoir vu des choses, des fantômes, des démons, des fées. Au lieu de l'ange de Mons, j'ai bien peur que nous ayons les démons de Pozières. J'ai appelé Noyer pour le punir. Je veillerai à ce que la punition soit suffisamment sévère. En attendant, les ingénieurs continueront à creuser. Un sabotage a réduit en ruine le projet des tunnels. Vers 23h30, le 2 juin, l'explosion a dévasté le réseau de tunnels. Il a été rapidement établi que des explosifs manquaient dans l'arsenal, que l'explosion n'était pas un accident. Après une enquête rapide, les soldats suivants ont avoué le sabotage. Soldat Gaspard Larue, soldat de première classe Johans Nicolai, soldat Toussaint Beaufoy, Malfoy, soldat de première classe Jean Renoir, ingénieur Ozal Zabebel, 4 des coupables croupissent maintenant dans les cellules en attendant le procès. Le 5e Toussaint reste introuvable. Il a peut-être été tué dans l'explosion. Je crois que d'autres personnes ont été impliquées, mais pour l'instant personne ne parle. Les hommes sont des lâches, pire que les agents doubles. Ils crient aux fantômes, aux démons et aux autres mondes. Ils prétendent avoir commis cet acte de trahison pour sauver leurs camarades de l'enfer. C'est d'une absurdité sans nom. Nous essayons toujours de dégager les tunnels et d'évaluer les dégâts. Je crains que tout espoir de les utiliser à nos fins soit désormais perdu. Outre l'explosion a causé d'autres dégâts structurels au bunker en lui-même. Les inondations surviennent dans diverses zones. Oh wow! Je suis subjugué de fion! C'est une dinguerie! Dinguerie. Cependant, ça ne m'arrange pas, j'ai eu qu'un seul truc de pétrole. On va essayer de speedrun à gauche parce qu'il reste des trucs. Scu! Retourne dans ton trou! Ok. On récupère ça du coup. J'ai beaucoup de balles de fusil, mais j'ai peur de pas aller trop vite. Aïe! Ok. Ouais, le bug. C'est normal, hein. C'est normal si ça bug, c'est la zone qui génère. Si, j'en ai rien à foutre. Là non plus. Il y a juste le monstre qui est là. Vous en faites pas. Ça fait partie du gameplay. Me chie dessus. Ok. Je me chie dessus. J'espère qu'il est pas là. Hein. Non, c'est bon. Ok. Là, l'objectif, c'est de prendre ça, enlever les boulons. Le problème, c'est que ça fait beaucoup de bruit, cette merde. Ok. Parce qu'on n'est pas encore revenu ici avec le truc de boulon. Comme ça, on va pas rentrer dans la pièce condamnée ici. Sans problème. Putain, je suis une merde. Il fallait vraiment que je fasse ça, t'imagines? Maintenant, il va falloir choper ça. Comme ça, je leur mets la misère. Ah, mais ils sont AFK. Oh, regardez, j'avais trop raison. Ah merde, non, c'est un kit de soins. Mais chier. Mais chier. Je croyais que c'était un truc pour améliorer son inventaire.
Et je suis... Ah mais voilà, il y en a un. Let's go. Ouais, je me faisais baiser, mais pas du tout. Putain, il peut venir par ici, ce trou du cul. Un code! On a un code! Ok. Ok, bon, ça aura servi pas à grand chose. En soi, parce qu'il n'y a pas grand chose en fait. Mais au moins, j'ai réussi à avoir un inventaire en plus. Du coup, c'est cool, non? Oh putain, j'ai peur. Mec, comment ça va? Ok. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, les gars. Faut vite qu'on retourne après, parce qu'il n'y a plus de courant. C'est la merde. J'ai trop envie de retrouver des trucs de soins et tout, là, mais oh, waouh. Je vais me faire péter le fion. Ah, ça, c'est la zone où on était. J'ai aucune idée d'où je dois aller. Je sais même plus si je suis allé en bas, les gars. On est déjà allé ici? Non. Si, on est déjà allé. Non. Oui, qu'on est déjà, venu. Ah putain, c'est fermé. Oh non! The monster will suck my dick. Oh non! Par contre, la question c'est, est-ce qu'il y avait un truc ici? À couper. Je crois pas. Je crois pas, c'était une zone de merde. Ouais, c'est ça. Par contre, là, je sais pas. Non, là, il y avait rien. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Ah! J'ai des doutes. J'ai des doutes de fou. Je déconne pas. Je deviens fou. Je crois qu'il y a un truc. J'ignore l'existence. Et chier. J'avais pas vu celui-là. Juste ici à gauche. Si c'est le cas, je suis un génie. Ah putain, faut casser. Merde. Attendez, attendez les gars. Je vais choper... Ça, je réfléchis. Vous avez une idée ou pas? Y'a pas un truc à lancer? Ça? Oh! Oh la poutre! Par contre, je suis suivi de fou, hein. Mais je fais quoi, moi? Ah! 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 C'est mort. Ok, c'est mort. Il me faut un caillou. Il me faut un truc pour lancer sur la porte et la casser. Aïe, 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 aïe. Je sais pas si je vais avoir assez. Peut-être qu'en haut, il y a un caillou. Je vais aller voir. Je vais aller voir en haut. On est déjà venu une fois en haut. Il y a des gens qui nous tirent avec des balles de fusil. Peut-être que par contre, il y a un caillou en haut, puis vu que tout est effondré, ce serait intéressant. On va rester accroupi, on sait jamais. Ici, je suis déjà venu. Non, c'est un bout de bois, c'est de la merde. Putain, je vais me faire tirer dessus. C'est la guerre, hein. On se fait tirer dessus. Ça déconne zéro. Mais y'a rien! Tu fais baiser! Je fais baiser! Ok. Tant pis, on va quitter la zone. Parce que y a pas moyen, à part une grenade et tout, mais. Casse les couilles. Casse les couilles, les grenades, non? En plus, c'est une zone de baiser. Chier. Chier de fou. Je suis choc barre. Oh, waouh! Regardez les gars, je vais utiliser une technique
de Zinzin, de Zinzin, ok. Il y a sûrement un truc qui traîne ici. S'il n'y a rien, je me fais vraiment baiser, hein. Fuel storage. Là, c'est sûr, il y a un truc de choc-barre. Non. Ça, il me le faut parce que je vais faire une nouvelle torche. Mais pas ça que je veux, moi. Je veux un caillou. Je veux un gros caillou. Un caillou de zinzin. Oh, les fils de pute, ils ont rien mis, Théma. Théma, Yanou, Théma, les gens. J'ai l'impression que je parle que à Yanou, en fait, de base. Du coup, je fais comme si je parlais que à toi. Bah non, mais non. Mais non, il y a plus de monde. Je suis bête, moi. Jamais y arriver. Ok. Ok, je suis choc-barre de Z-Bazy. Les gens, ils aiment pas le feu. Oh, si dur. Regardez. Non. 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 Oh non. Je vais me faire baiser. Je vais me faire baiser. J'ai plus de tissu. Comment je vais faire? Je vais me faire baiser, Yanou. Bon, je reviendrai peut-être à plus. Ok. Adieu, mec. Pomme. T'inquiète, je me fais baiser. Je tourne, moi, je tourne, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je tourne. Je me fais baiser toutes les 10 secondes. Le jeu, il veut juste me niquer ma mère, alors. On n'a pas le temps. Faut qu'on se grouille. Parce que le seul truc qui m'attend, c'est la dèche. Je vais me faire baiser le cul. Putain, il crie et tout, le mec. Ah, tu vas mourir. Je suis méchant. Ah. Ok. Tranquille, mec. Toi, t'es méchant. Tranquille. Les choc-barres. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je cherche du tissu, mais il n'y a plus de tissu. Comme par hasard. J'ai tout fumé. Comment je vais faire, du coup? Je vais relancer ma sauvegarde, hein, JPP, parce que je vais me faire baiser tout court. Hein. J'ai pas le choix. Peu importe où je me fais baiser. Et ben voilà. Je l'avais dit. Casse les couilles. Ok. Je vais le combiner, du coup, j'ai pas le temps. Faut que je me barre, il va me choper. Maintenant, le monstre, en fait, il va me cavaler le cul. Parce qu'il n'y a plus de courant. Et comme il n'y a plus de courant, en fait, il sort, il s'en bat les couilles. Il traverse, il court. Il speedrun, en fait, si tu veux. Par contre, j'ai un code, hein, n'oubliez pas. Ça peut me carry de fou. Faut juste que j'ai de la chance et que je tombe sur un code qui m'intéresse. Pas juste un code en mode OSEF, le code, c'est de la merde. Et là, il se peut que je me fasse juste baiser en repartant. Hein. Ce serait horrible. Oh putain, il est là. Je réfléchis. Je suis dans la merde. Je vais remettre du courant. J'ai juste un truc. Putain, ça va être chaud. Merde. Je vais pas aller loin.
Heureusement qu'il y a des torches, parce que ça carie de fou, ça met quand même de la lumière et ça m'évite de me faire attaquer par les rats. Là par contre... Ah, on va aller loin hein. Putain, je crois que j'ai ruiné ma game. Premier degré. Je crois que j'ai vraiment ruiné la game. Parce qu'il n'y a plus de courant et le carburant, je l'ai chopé de partout. Là, je vais repartir dans une zone, je vais me faire choper le cul. Il n'y a pas moyen que je survive. Sauf si je carie d'une manière paranormale ou je sais pas, j'ai déjà la dynamite. Hein. Il ne reste plus qu'à avoir le détonateur, sinon c'est la merde. Mais par contre, là, on peut quand même aller voir ce qu'il y a dans le truc là, à droite. Attends, c'était où? Putain, je me suis trompé. Et à droite là-bas, enfin à gauche. Du coup. Ouais, c'est là. Ça, je sais pas pourquoi ça se rallume tout le temps, c'est chiant. Et du coup, c'est le casier de qui? Odd. Au clair de la lune. 0201. J'espère que c'est des trucs intéressants là, sinon je me pète le cul. 0. Oups. 2. 201. Let's go. 201. Let's go. Et des balles. Claqué. Désolé. Désolé, c'est claqué. J'ai 4 kits de soins. Parce que j'en utilise jamais. Ça fait partie de ma technique. Par contre, maintenant, si je veux, réfléchis. Il y a un truc que je dois aller choper en prison. Absolument. La prison, c'est où? C'est là. Donc, logiquement, là, il y a juste à aller vers la prison. On est tranquille. Et il y a un truc que je peux couper avec ma clé à molette. Ma coupe-coupe. Par contre, je sais pas où il est le monstre. J'entends plus. D'habitude, quand je change de zone, le monstre, il me fuit, en fait. On l'entend au plafond. Mais là, vraiment, premier degré, je l'entends pas. Ce qui paraît bizarre, non? Les prisons, on les avait déjà ouvertes, en plus. Ça va pas m'aider. Ok. Oh, le fils de pute. Il me stalk. Ok. Y'a quoi ici? De la viande. Grenade. Oh! Let's go! Putain, j'ai trop de trucs! Merde! Et quoi, je vais jeter mon bâton là et on en reprendra un plus tard parce que ça se fabrique, c'est facile. Ah! Pousse de soin, il y a un truc en plus. Bizarre. Qu'est-ce qu'il me faut? Aïe 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 aïe. Et quoi, je vais jeter ma trousse de soin et puis je vais récupérer une trousse de soin. Il est fou le monstre. Ah, ça sert à rien. Ok. Ok, il est pas là. Oh. Je me suis chié dessus. J'ai cru premier degré qu'il était à côté. C'est pas mal de revenir en arrière avant d'aller finir la zone. Je vous permets d'avoir du gameplay en plus. Putain, c'est zinzin ce que j'entends. Ça me fait bader. Le monstre, il va en profiter, la lumière elle va s'éteindre dans 2 minutes. 100% il est là en plus, ce fils de pute. Ok, je cours. J'ai pas le temps. Ah, c'est long, hein? Ok. Là, on marche. On rigole pas. Faudrait que j'aille là-bas aussi. Le quartier des soldats, il a l'air d'avoir des trucs. Non? Pensez. Parce que là, il va me niquer ma mère, ce fils de pute. Putain, je suis bloqué! Ah! Non! J'ai la pression. J'ai peur. J'ai peur de fou. Il me fait de ces bruits, mec. Oh! D'habitude, il va pas autant dans les conduits, il sort un peu, tu vois. Allez, on nous sauve un peu la vie.
que sinon c'est la merde. Par contre, vraiment, le masque à gaz, je crois que c'est aux F1. On va pas le prendre, ça sert à rien. Il y a deux trucs que je vais pas prendre. Du coup, maintenant, il me reste plus que le quartier des... Attendez. Je réfléchis, je me demande s'il y a un truc à couper dans le quartier des soldats. Et je ne pense pas. Parce qu'au quartier des soldats, tout est ouvert. Il y a juste une zone qui est condamnée. Je pense pas qu'on puisse... Attendez, on va zoomer. Pouf, pouf, pouf. Ok, ouais, ça c'était le truc à droite, c'est condamné. Les casernes, elles sont ok. Ça, c'est ok. La dark room, je sais pas quoi, c'était ok. Ça, c'était ok. Ah, il y avait juste un truc à couper dans la chambre noire. Sinon, c'était ok. Et la cuisine, c'est aux F. Ouais. Bah, ok. Bah, je vais juste aller faire ça, d'accord. Il y a un truc dans chaque zone, en fait. Je vais essayer de speedrun et on espère qu'il y a des trucs intéressants dans... Bah, à mon avis, je pense pas, mais... On va faire avec, si tu veux. On va faire avec et on va aller se péter le cul. Ah, ça, c'est la sortie. Merde. Quoi, ce truc? Monde gâté. What? Ok. C'est par là? Officier caté. Officier caté? Domaine, j'ai fait. Officier caté. Soldeur caté. Soldeur caté. C'est ici. C'est ici, le soldeur caté. Ok. Oh, il reste plus qu'un rat. Tous les rats ont fui. Ils ont fui mon charisme. Charisme de baiser. Bande de dingo. Ok. Là, c'est la merde. Cette zone, elle est chiante. Je me fais harceler de fou sur ce, dans cette zone. Le monstre, il rigole pas avec moi, ici. Il aime bien me faire chier. Il me connaît. Tu sais que je vais partir en couille. Je réfléchis, mais non, il n'y a rien là. Regarde, parce que je sais plus si j'allais tout péter. Vraiment, je suis un golemon, à chaque fois je pète les trucs. Ok. Là, il faut juste qu'on monte ici. On prend le coupe-boulon. Hop. Le coupe-truc. C'est même pas ce que c'est. On prend le coupe-machin. Ah, on peut couper les cadenas! J'en savais rien, moi! Je croyais que c'était une chaîne. Ah. Xamère! J'ai rien à foutre du lore. Il me casse les couilles. Journal de noyé, deuxième partie. Abattre la bête. Après la mort de Tremblay, le bunker a sombré dans le chaos. J'ai repris le contrôle et ordonné aux hommes de former des escouades. Ils ont l'ordre de traquer la bête et de l'abattre. Ils me disent que c'est impossible, que les balles ne la tuent pas, mais servent seulement à gagner un peu de temps. Avant que la bête ne revienne encore plus en colère. Bande de lâches. Je les ai renvoyés faire leur rapport, les chasser et la tuer. S'ils échouent, ils subiront un sort plus terrible encore que les griffes dans les ténèbres. Ah, ok. Et où l'autre ? Je sais plus. C'est noyé, non ? Ah, ça. Je n'ai parlé à personne de ce qui est écrit dans ces textes, je le jure, mais voilà que la rue sort des tunnels en prétendant avoir vu les choses qui y sont décrites. L'esprit rationnel ne peut accepter qu'il s'agisse d'une coïncidence, ni accepter l'alternative. Je dois dire aux autres ce qui est écrit dans ces textes, leur dire, les prévenir. Ils ont puni la rue pour avoir parlé de ce qu'il a vu, et Reynard ne veut pas parler. Je suis sûr que je vais être puni. Nous sommes coincés entre les Allemands devant nous, derrière nous, et une autre force horrible qui semble se tapir dans l'ombre d'autres humains. Crains que Dieu ne puisse nous atteindre. Je suis enfermé dans les cellules d'Elpi depuis deux nuits. La mission de Reynard pour avoir parlé des textes. Cauchemar après cauchemar, je rêve des ténèbres. Ténèbres séduisantes, j'entends les voix qui m'accueillent. Je suis retourné à ma couchette et les gars m'attendaient. Ils ont désormais tous des histoires à raconter. Nicolai, Farbier, Rubek, j'en passe. Ils entendent tous des choses et font des drôles de rêves. Se passe désormais sous l'emprise d'une peur qui remonte de long de la colonne vertébrale et plante ses griffes derrière les yeux, transperçant l'esprit et l'âme. Et après ce qui est arrivé à la rue et à moi, personne n'ose parler aux officiers, pas même à Joubert. Et pire, les assauts recommencent, je dois y aller demain soir. Retour de l'assaut, je ne peux pas dormir, les obutons, les semelles de mes sont usées, mes pieds sont couverts de sang et d'ampoules.
perdu trop d'hommes là-bas. Je sens pris au piège. La nuit dernière, toute la caserne a été réveillée par les bruits provenant du tunnel. Chaque nuit, ils deviennent plus forts. De mon sommeil, j'ai rêvé d'autres mondes. La douleur enveloppée d'extase. Ce matin, nous sommes tous semblables à des fantômes. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Je vais entrer dans les tunnels et voir si je peux trouver un moyen d'en finir. Être bien à tous. Oh wow! Big background! Mais ça me casse les couilles! Perdre du temps. Le temps, c'est de l'argent. Mes souvenirs ne me disent rien. Il n'y a rien par ici. Rien à ouvrir, rien à fermer. Ok. Il est passé de l'autre côté. J'ai cru qu'il était derrière moi. Mais non, c'était l'inverse. Ok. Je vois quelque chose parce que là. Petite pute. On va passer par là du coup. S'il faudrait que j'éteigne. Il arrête pas. Hein. Il arrête pas de m'emmerder ce fils de pute. Ça, on sait... je sais pas comment l'avoir celui-là. À mon avis, c'est un code que moi je possède. C'est le code de mon ami, je crois. J'ai déjà tout chopé. Casse les couilles. J'ai fumé tout ce qui se trouve dans la zone. Il est là. Quand la fumée apparaît, c'est qu'il est là. Mais plus maintenant. Ha 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 ha. Je t'ai niqué ta mère. Ok. Je prépare l'assaut, mesdames et messieurs, c'est parti. Alors, 3 grenades, 4 grenades. J'en peux plus. J'envoie toutes les grenades. Cependant, réfléchis absolument à tout ce que tu pourrais avoir besoin. Il va falloir une torche, ça c'est sûr. Vu qu'il me manque plus beaucoup de courant, ça va être la merde. Je suis finito, les gars. Mais on va partir. On va partir à l'arsenal. On n'a pas le choix. C'est la fin. Je sais même pas si à l'infirmerie, il fallait que je coupe des cadenas. J'ai pas fait gaffe, je vous avoue. Sauf qu'ici, c'est la zone la plus chiante. Oh waouh, ça a bugué. Il n'y avait pas de cadenas à l'arsenal, hein. Non. Ou alors, je m'en souviens pas. C'est probable. Ça, il y avait un truc, là. Bon, j'en aurais peut-être besoin. Là, il y a un truc. Il faudrait juste que je casse le mur, du coup. Il n'y a pas un caillou. Si, il y avait un caillou. Non ? Là, ils ont cramé. Une grenade encore. C'est quoi ? J'en ai rien à foutre. Je vais y aller comme un baiser. Première esquive. Ouais, qui me tue. Je vais tester. Jamais il me trouve. Vous savez pourquoi ? Que je suis choc barre de baiser. Ok. Waouh, mais comment ça me re... Raison dans les cavernes romaines. Il pourrait pas passer par ici. Il est beaucoup trop gros.
Putain, il fait trop badé. C'est un petit fils de pute. Ça, c'est un générateur, les gars, non? Ça va me donner du courant, vous croyez? Y'a peut-être moyen que j'utilise deux générateurs. Juste que je coupe la barre là, et après on peut y aller. Mais je vais aller récupérer ce qu'il y a dans la pièce là. Juste avant. Ça me fait de la place aussi. Vu que j'ai trop de grenades. Je vais mettre un raccourci sur les grenades. On va mettre du 2. Mais il me lâche pas ce fils de pute. On peut pas se barrer. On perd du temps. Je suis choc barre là. Il est encore debout, hein. Il s'est toujours pas barré. Le coquin. Il me rend fou. D'habitude, il part plus vite. Cette fois, il s'en bat les couilles. Donc, il fait bader en plus. Qui s'est barré. Non. Me chie dessus. Je risque ma vie là. Mais au moins je sais ce que je fais. Ok. Waouh! Quoi ça? Sac de poche, let's go! Let's go, mesdames et messieurs! Je suis fully inventor. Oh, j'ai eu un succès à mon avis parce que j'ai eu tout. Ce que je pouvais avoir de base. Oh, une photo! Oh! On peut couper les pièges, mais j'en ai jamais utilisé! Ok! Du coup, oui, j'ai des trucs de soins là, etc. Grenade à gaz. Le gaz, ça tue pas les monstres. On tue les gogoles, mais pas les monstres. Oh, la croix de Jésus, peut-être que je peux la prendre pour niquer son monstre. Je vais niquer le monstre avec ma croix. Je vais la mettre dans le cul, tu verras. Ah. Je viens de capter. Il y a plus de courant. Sauf qu'ici, il y a encore du courant. On dirait. On va couper. Ah ouais, il y a encore des traces parce que la dernière fois j'ai tiré 4 fois sur le mur, sur le truc. J'ai rafalé le bail. J'en avais rien à foutre. J'ai regardé combien j'ai de balles là dans mon gun. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 balles. Mais putain, mais je vais le niquer sa mère. Mais frère, 15 balles. Normalement je lui mets 2 balles, il retourne dans son trou. Là je lui en mets 15. OMG. Oh. Oh, mais c'est trop bien ça, regardez. J'avais raison. Trop bien. C'est où que je le mets? Je comprends pas. Ça, c'est un générateur, les gars, non? Oh, waouh. Je chie dessus. Where is the trou? Non! Non! Je suis une merde! J'ai peur.
Il a tapé le mur. Par contre, ça m'arrange, parce que s'il est derrière moi, il sera pas devant moi. Non. Ouais, forcément. Je suis bien. C'est quoi ça? Ça fait trop bader. Je me situe, les gars. Ah mais il y a des trucs qui flottent. Je vais me faire baiser là. Je me chie dessus. Je chie dessus. La 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 poil au cul. Me chie dessus. Je me chie dessus. Oh non. Oh non. Oh non. Il va venir dans l'eau. Dans la piscine municipale. C'est quand même plus propre que la piscine municipale. C'est bien plus nettoyé. Y a pas de chlore en plus. Donc c'est meilleur pour la peau. Je raconte moi. On a de l'essence là, on a du carbu. Mais carbu, je dois le mettre dans mon cul, je crois, parce qu'il marche pas, mon générateur. Il est choc-barre, mon générateur. Il est choc-barre parce qu'il a vu le saumon, il a fait « Oh non, je suis choc-barre, là !» On touche me. Allez. Ça, c'est sûrement un piège à Anoubs. Je suis un golemon, là. Je fais des bruits de golemon. Je vais me faire baiser. J'ai compris. En fait, là, il y a moyen, les gars, que je parte au spawn pour remettre de l'essence. Mais j'ai pas envie, moi. Je vais jouer comme un bonhomme. Un bonhomme. Ah ! Il y a un truc que je peux pas faire non plus. J'ai plus de light. Je vais quand même jouer comme un bonhomme. Je fais un sondage et on fait « Est-ce que Baban se fait péter le fion ?» Depuis quand les murs ils font des bruits de rats? Ça fait scluc scluc. Jamais j'ai vu ça, moi je me fais péter le fion. Tu vas faire quoi là? Ça marche pas. Je suis bloqué. Eh bien c'est la fin du jeu mesdames et messieurs, j'espère que vous appréciez. Ça marche pas. Bon, je fais. La grotte, elle est choc-barre. Ok. La grotte, elle est choc-barre, mec. Y a peut-être moyen, je passe en dessous. Pouah. Au secours. Blablabla. Je peux lancer une grue. Est-ce que ça marche, cette technique? On va voir tout de suite. Non. Non, quand même pas. Pourquoi est-ce que je devrais lancer une grue? Si je lance une grue, ce machin là au-dessus de moi, il va me péter la gueule. Et moi je suis dans l'eau. Je t'explique. Dans l'eau. Ce que je peux faire par contre c'est déplacer ça mais le machin il est keblo. Regardez. J'aime pas comment je fais pour pas me faire repérer en fait. Mais c'est pas possible ça. Je crois que j'ai glitch le jeu. Hein. Je crois que j'ai glitch le jeu là. Il est cassé. Ah, c'est pas grave. Il y a sûrement une strat qui permet d'y arriver. Ah ah. Les monstres ils vont pas dans l'eau de toute façon. Pourquoi? Ouais, parce que c'est de l'eau. Imagine un instant que tout ce que je viens de faire ne sert à rien. Ce serait une dinguerie. Non? Oh waouh! Attends! Actuellement choc-barre par ce que je viens de faire. Il suffisait juste de retirer la caisse. Voilà. Ah merde!
C'est pas possible. Ah putain, je suis trop con, j'utilise toutes mes grenades sur cette dinguerie. J'ai envie de reload ma game juste pour ça. J'ai envie de reload ma game pour deux trucs. Première chose, j'ai déversé un bidon d'essence sur le sol comme un con. Deuxième chose, je viens de lancer une grenade sur un mur comme un con. Troisième chose, j'ai utilisé une grenade sur la porte là-bas. Un peu la merde, non? Et je suis sûr que je vais pas trouver de grenade ou quoi que ce soit ici. Non! Au secours! Au secours! Le mur me protège pas du seigneur! Non, je suis un baiser. Secours! Ok. Oh merde, je suis broken. Mon spirit ne veut pas. Mon spirit ne veut pas que je charge la dernière sauvegarde. Histoire de pouvoir refaire le chemin tranquillement. Il sent c'est trop con. J'essaie de trouver la meilleure méthode. Vu que je fais que de la merde, faut bien que je répare mes fautes. En recommençant, non? Mais à mon avis, il veut pas que je le fasse quand je suis dans l'eau. Bizarre, non? On en parle ou quoi? C'est bleu là? C'est bon. Mais... c'est ce bordel. Regardez ça. L'activer, tu vois, c'est un générateur. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas... il n'y a pas de truc pour mettre de l'essence. Il n'y a pas de trou. Il me faut un trou. Un gros trou. Du coup, j'ai pas trop compris le système et la logique des bonhommes là. Pourquoi ils auraient fait ça? Ça sert à rien. The fuck. Je suis bloqué en plus. Ah, c'est les couilles. Allez, on va speedrun. On court dans l'eau. Si je meurs, c'est pas grave parce que ça va me faire respawn. J'espère qu'on va pas mourir, de toute façon. J'ai 15 balles. Je sais pas. Parce que j'ai perdu des de je sais pas quoi là. Non, par contre, ça tu casses les couilles. Je crois que je me suis juste fait baiser. Hein. Je déconne zéro. En lançant ma grenade, je crois que j'ai pété un truc. Il m'a bloqué. Aïe 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 aïe. J'ai ruiné ma game. OMG. OMG, il ruine sa game. Je vais me suicider du coup. Plus rapide. Je vais me faire un 1v1. C'est parti. J'espère que vous êtes prêts. Au moins, il y aura de l'action. Première fois. On va 1v1 le Strumon. Avec des techniques haut de gamme. Moi, je suis prêt. Je suis toujours prêt de... toujours prêt à affronter des chiens. Toujours pas viser de ma sauve. Ma save. Je peux aller là. Eh ben non. Là, il y a de la light. Pourquoi ça marcherait pas? Je peux pas sauvegarder. Viens! Affronte-moi! Affronte ma chaise! Ma chaise a disparu! Qu'est-ce qui se passe? La matrice, elle s'est effondrée! Qu'est-ce que se passe-t-il? Ma chaise a disparu. Je possède donc ce pouvoir-là. Pouvoir de l'explosion des chaises. Ok. Bon, par contre, j'ai de l'essence, donc je vais aller en profiter pour... Comment ça? Comment ça, j'ai de l'essence? Attends. Comment ça, j'ai de l'essence? Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Pas normal. Pour rien. C'est où la sortie? Ah, c'est par là. Mais à tout moment, je me fais un V1, là. Hein. À tout moment, il y a un chien qui me fonce dessus. Sans deck, hein. Oui, il y a de la lumière là-bas. Comment il peut y avoir de la lumière là-bas? Il n'y a plus de courant. Parce que c'est une lumière externe. Je viens de comprendre. Pas venir dans ma maison. OMG. Regarde.
Je vais utiliser mes techniques. Oh waouh, j'ai peur. Viens te battre! Viens te battre, fils de pute! Viens te battre! Et j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû... J'aurais dû me niquer ma mère. Je viens de sauvegarder, là. Attends. Je vais faire un truc. Depuis la dernière sauvegarde, sera perdu. Aïe, je crois que je me suis baisé, les gars. Je me suis baisé. Ok. Réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais putain de faire, du coup? Ah là 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 là, c'est la merde. C'est la putain de merde. Y'a pas moyen que je survive à ça. Ou ça. Ah ouais, mais non. Faudrait que j'éteigne les lumières là. C'est inutile. Aussi, c'est inutile. Ça sert à rien. Ok. On est de retour, mais il y a de la lumière. C'est pas mal. Je sais pas ce que je vais faire. J'essaie de trouver une solution. J'essaie de me dire peut-être qu'il y a une greue, il y a quelque chose pour taper des murs là. Peut-être qu'il y a un objet, tu vois. Un bâton. Il n'y avait pas un bâton par ici. Non, parce que je me suis fait assis là. Voilà, comme ça on a une torche pour les catacombes. Parce qu'on va manquer de courant. Ah. On va manquer un peu de tout, je crois. Hein. Par contre, ici, je vais tester. Aïe, désolé. Mais je peux faire ça et je peux récupérer la greue. Oh, waouh. Ce qui me fait une grenade en plus. Et ça, c'est franchement sympa. Que j'ai de l'emplacement en plus, donc peut-être qu'il y a des trucs que je peux ramasser cette fois. C'était une zone de merde ici. Hein. On va juste aller là pour fouiller. Sans se casser les couilles. Par qu'il y a les rats mangeurs de kebab là dans le coin. Ah mais j'avais pété le mur. Ah. Ouais, j'ai fait le tour. C'est la réflexion de fou. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait le tour? Regardez, en plus, je peux passer par là, tranquille. Y'a pas de problème. Aïe, y'a des monstres, quand même. Bah ouais, y'a pas de problème, mec. Y'a tout qui est ouvert. Sans deck. La zone était claquée, mais bon. Oh! Que vois-je? Aïe. Je vais jeter ça. X. Et je prends la grue. Et là on est bien parce que j'ai récupéré deux grenades du coup. Pour repartir dans les katas. Les katakouris. Oh. Ah! Hé! Je suis bloqué! Je suis bloqué! Je vais taper des rats avec ma planche. Oh! Oh non! Oh non! That's not good! J'adore tuer des... J'adore taper les rats, moi c'est mon kiff. C'est mon délire. Ça pra les rats, pra. C'est gaulerie, non? Waouh, mais je suis en train de sucer l'eau! Qu'est-ce que c'est stylé! Et du coup, qu'est-ce que je fais quand je suce l'eau? Mais je peux passer en dessous du coup! Ah oui! Faut vite que je cours alors. Parce qu'après, l'eau, on pourra plus la sucer. Regardez. Vite, il faut que j'aille là-bas. Nique ta mère! Ah! Laisse-moi passer. On a sucé l'eau, on peut passer maintenant. Là. Ah, ça permettait juste de passer là. Mais je suis choc-barre là parce que
Pas sur baiser, non. Attends. Je veux être en sécu, je vais prendre ma lampe. Un trou mystérieux. Je kiffe pas ce qui se passe là. Waouh, bug. Vous savez que je me chie dessus. Pour une raison que j'ignore. Non, en fait, j'ignore rien du tout. Je suis sûr que je me chie dessus. Parce que je vais me faire baiser ma mère. Dans 5 secondes, là. Et vous êtes tous contents, là. Hein, bande de chiens. C'est quoi ? Waouh, mais le mur, il a des belles formes. Le mur, il est carré. On va enlever ça, on n'a pas besoin. Et une pelle. Peut-être que je peux niquer sa mère avec ma pelle. Je me suis chié dessus. Un œil. Deux œils. Un trifouillis. Un bouteau. Un trifouillis magique. What? Encore du papier. Putain, c'est dingue. Il y a beaucoup de papier, hein, aujourd'hui. Rapport de Noyer. Notre latiniste fou frappé. Noyer a déposé un rapport affirmant que les Romains utilisaient ces tunnels pour organiser des bacchanales sadiques. Des bacchanales. De grands festivals à base de combats cruels, de tortures et pire encore. De plus, il dit que tout cela se déroulait dans une arène au-dessus d'une grande fosse. Quiconque tombait dans les ténèbres hurlantes. Ce sont ses propres mots, quel poète. J'ai été dans ces tunnels, ce sont les tunnels. Ah, je recommande de mettre Noyer sous surveillance. MDR. Je devais voir ce que l'obscurité cachait. Il le fallait. Noyer, Farber et les autres. Ils n'ont pas les yeux qu'il faut. Il y a du monde ici-bas, plein de séductions et de secrets, et mes yeux sont faits pour ça, peu importe s'ils m'ont piégé ici. J'ai vu, ah, une vision d'un monde disparu, sanglante et terrible, belle et affreuse, divine et infernale. Autour de moi des voix, le passé, griffant, tournant, tourbillonnant, j'ignore ce qu'ils veulent. Il faut que ça s'arrête, je ne le vois plus, ils me demandent de faire des choses impossibles. Je vous en prie, Dieu, qui êtes aux cieux, si vous existez, mettez fin à tout ça. Donnez-moi un moyen de mettre fin à tout ça. Je le vois à présent. Ah, je le vois, je ne le vois plus, je le vois plus. Tourbillonnant et tourbillonnant, tourbillonnant encore. Il réclame du sang. Oh la dinguerie. Du sang. Ok. Du sang? Non. Ce n'est pas gentil. Il veut du sang. Sauf que moi j'ai dit grenade. Ok. On va se calmer. J'ai lu, je sauvegarde. Y a pas un Pokémon? Oh, une pioche, peut-être je peux... Pourquoi je prends pas un truc au cac pour taper? Pourquoi je me bastille H24 avec un truc claqué? Nya. Nya. Je suis dans la merde, là. Je suis sûr, y a un truc derrière, là. Ah non. La conviction, elle est morte en 2 secondes. Encore une grenade! Oui, oh oui, oh oui, oh waouh, je suis waouh, mais oh waouh, ok, c'est encore une grenade, mais mon dieu, hein, j'ai 6 grenades, mais t'es dingue mec, oui, l'eau elle me fait peur parce qu'elle fait des bruits que je n'ai jamais entendus, les bruits du clipotement, ça clipote et ça tripote, sauvegarde pour les items. Parce que là, c'est l'heure de partir en couille. Mais attends, les monstres, ils aiment pas le feu. Alors moi, je vais faire le feu. Oh, c'est beau. C'est ça qu'on appelle les ruines. Les ruines romaines. Ah! Les ruines romaines. Ruines. Beau. Beau, les ruines romaines. J'aime pas les trous, moi. J'aime pas les trous. Je vais me faire péter le cul. Ils veulent me péter mon cul. Queen romaine. Julius César. C'est quoi le rapport entre les démons démoniaques du cul et les ruines romaines? Oh, les cailloux, ils volent et ils font des tremblotins. Regardez. Et j'entends dans ma tête, ça fait zoing zoing. C'est très bizarre. C'est quoi ces cailloux tremblotins là?
trop chelou. Il me parle à mon oreille. Il me chuchote. Pour me chuchoter. Oh. Waouh. Il y a un trou énorme et sec au plafond. Moi j'ai peur là. J'ai peur parce que ça devient paranormal. Très très paranormal. Avec des cailloux et des trucs. Des trucs paranormaux. Oh les screamers. Carburant. Tu veux que je fasse quoi avec le carburant, frère? On est loin là. On est loin d'avoir du carburant, mon gâté. On est surtout loin de savoir s'il y a quelque chose de dangereux dans les trous du cul du monde. Vous le sentez, vous, la fin là? Vous sentez qu'on va se faire courser le fion? Moi, je sens des choses. Il a dit « We world, the world ». C'est-à-dire quoi? Il y a un fils de pute qui chante. Moi, je suis sûr, c'est le monstre, il parle, en fait. Mais il parle en anglais. Moi, je parle en français. Pourquoi il y a un gars qui parle en anglais dans les ruines? Hein? Le jeu, il est pas en anglais. Je sache. C'est des belles ruines, hein, par contre. C'est mieux qu'à l'étage. Ça fume! Ça fume! J'ai peur! Je peux le tuer. Il est où? It all gets lost. Lost in the blinding twirl. Vous voyez? Il est tout près. A sad day in the park. Il est littéralement à deux blocs de moi. Moi je le vois pas. Ça me fait pas gaulerie, mon ref. Tu veux une grenade? Ouais, j'ai pas eu de fusil à pompe, par contre. On en parle, parce que j'ai eu des balles, mais j'ai pas eu de fusil à pompe. Je sais pas ce que ça fait, le fusil à pompe. Et du coup, je vais sauter. Regardez. Fuck! Déconne pas, je vois flou. Regardez. Ça doit être la cocaïne. Ouais. Ma vie, c'est une caverne à cocaïne. Une co-caverne. Mais du coup, j'ai peur. Moi, je suis sûr, il n'y a personne. J'ai pas envie de jouer. Là, j'affronte des mots depuis 3 lives et là, je peux pas. Mon esprit m'indique qu'il ne faut pas aller vers là. C'est mon instinct de survie qui est littéralement éveillé là. Pour une raison que j'ignore, hein. Mon instinct me dit, ne va pas là, tu vas mourir. Il me dit, va-t'en. Cache-toi, va-t'en, fouille. Je suis harcelé par mon instinct de survie, les gars. Je me suis fait une cabane. Je suis immortel, là. Ce sera mon refuge. Je vais prendre ça avec moi, comme ça je suis immortel. Regardez. J'ai vu, je vois des choses.
J'ai pris trop de drogue. What? Ça fait trop bizarre. Plein de gens. Je sais pas ce que je dois faire. Je sais même pas c'est qui le mec qui chante en fait. Prends rien. J'ai compris, attendez. Regardez. Ok. Ça, c'est une cachette. Vous avez vu? J'ai fait un escalier pour pouvoir m'évader. Parce que l'entité que je perçois au loin est trop grande pour être un humain. Et c'est un esprit, on dirait. Comme quand tu demandes aux esprits, aux gens... Ouais, c'est quoi les esprits? Alors, grenade! Je voulais voir si les esprits meurent. Parce que mes grenades sont bénies par le Seigneur, là. C'est des spirites grenado. Oh, vous avez vu? On en parle, le mec qui m'a pas vu et tout. Mais moi, par contre, je vois rien. Oh, c'est bizarre. C'est tellement bizarre ce que je perçois au loin. C'est tellement effrayant. Et en même temps, ça a l'air inoffensif d'une certaine manière. Non ? Me cache. Je serai insurpassable. On va aller voir là. Non ? Regardez. Regardez, normalement ils doivent passer là devant moi. Ils sont invisibles? Non, il y en a un là. Oh, il y en a, ils marchent bizarrement comme des monstres. Je me chie dessus. C'est un piège. Regardez. Ils s'en foutent. Je vais voir s'il passe au-dessus. Si c'est juste des images rémanentes. Regardez. Lui, il est bizarre, lui. Il y en a un qui a un dos penché, il marche bizarrement. Comme un monstre. Ouais, il est passé bizarrement. Oh, le flip. It all gets lost and still we were the world. The world we were. It all gets lost in the terrible twirl. Y'a personne. Y'a personne. Come see the sun for all the black smoke. J'utilise encore des grenades. Le jeu a prévu que tu utilises des grenades. Je sais pas ce que je dois faire en fait.
Mais en fait, vous l'entendez, vous, mais... Quoi, ça fait référence, là? Kill my rats? The fuck? Un piège. Il a tué des gens. Il a tué beaucoup de gens. Il en a mangé aussi. Je crois que c'est pas un inconnu. Maintenant, fils de pute. Oh, merci pour le fusil à pompe. Oh, il est devenu fou. Ça pour le pompe. Ok, j'ai gagné. J'ai eu peur d'un mec normal, t'imagines? J'ai eu peur d'un humain. Ok, c'est parti. On va recharger parce que. Ah merde. Ah, il faut recharger, il faut charger. Ok. Ok. 4 balles. Un mort. Oh, plus de balles. Oh, une grenade. Ok. Désolé si je suis lent, mais j'ai juste pas envie de rater mes trucs. Les moves que je fais. Et c'est surtout à cause de la peur, là. Hein, premier degré. Déjà, il y a une brume énorme. Du coup, tu vois pas à 2 mètres. Et ça m'arrange pas trop. Je sais pas ce que je vais foutre avec, j'en ai pas besoin. Ouais, j'aurais besoin de courant, là. On est bien, on est dans le darkness. Le darkness. Oh. Ah, comment je l'ai buté, les gars. Je l'ai mis une balle dans la tête, il a rien compris. Il a mangé des os. Des bons os. Mais c'était quoi les esprits là? C'était des vrais esprits? C'était l'esprit des gens? Oh merde! Il y a un trou. Regarde, on va faire ça. Et puis, on va mettre ça là. Et là, plus jamais il sort, mec. J'ai réussi à créer le piège. Parfait. Car je suis une légende. Are you understand? Oh, c'est quoi ça? Carburant. Ben oui, c'est moi. On voit rien. Ça me rend fou. La brume, elle est extrêmement élevée. Oh, j'ai peur de faire ça et de me faire attaquer. Envoyez le pompe. Putain. Il y a un fantôme qui m'a fait trop peur, vous avez vu? Déjà, il était tout recroquevillé et il est venu vers moi. J'ai l'impression que c'est vraiment des monstres, les fantômes. Si je m'approche trop, ils m'attaquent et tout. Je pense pas, en fait. Je pense que je suis psychose de malade. Parce qu'on peut pas voir loin et ça me fait psychoser de fou. Ce qui serait logique, c'est qu'il y ait le monstre, mais... Pourquoi je me ferais attaquer alors qu'il n'y a pas de sens à ce que ça m'attaque? Pourquoi m'attaquerait? J'ai rien fait, moi. Gentil. Et TDR. L'autre, je suis gentil. Non. Je sens pas là. Désolé. C'est
trou-là, il pue. C'est le truc... Ok. Grenade. Encore. J'ai besoin d'autant de grenades. Je sais pas. Mais là, c'est chaud. C'est extrêmement chaud, ce qu'il me donne. Le jeu, depuis le début du jeu, j'ai des grenades. Aïe, aïe, aïe. Ben, bizarre, non. Peut-être pas besoin de la clé à molette. Je la garde dans le doute, mais bon. Les cailloux, ils doivent invoquer Satan, à mon avis. La porte là, il faut l'ouvrir. En fait, il y a des ossements parce que des gens se sont fait bouffer ici. Donc on est dans la pire zone ever, je crois, les gars. Je vais me faire bouffer. Ah ! Faut que je casse le mur, ça ? Je me pose la question. Je vais faire le tour au cas où. Même si je crois qu'on est déjà venu ici. Honnêtement, je n'en sais rien. Putain, je suis déjà venu ici. Bah oui. Mais je suis con. Donc faut forcément que je prenne un caillou ou quelque chose. Ou je trouve bien un caillou. Un truc qui ressemble à un caillou. Ah, encore? Mais pourquoi? Ça, c'est étrange. Étrange de fou. Le jeu me donne des trucs comme ça, là. Des trucs de carbu. Donc dans le doute, je vais en prendre quand même un. Mais j'ai l'impression que je me fais flopper. Que je manque de place. Je sais pas ce qu'il fout là, en plus. J'ai vu un truc de fou. J'ai eu une méga hallucination. Sans deck. Je crois que le sac à patates, si je l'envoie sur le mur, ça fait un truc. On va tester. Mais c'est de la farine. C'est pas ça qui pète les murs. Ah ouais. Je suis con, moi. Peut-être qu'avec la pince, je peux ouvrir, mais je pense pas. Ah ben non. De toute façon, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Goûta la pâte et qu'elle la vider. Goûta la dalle et qu'elle la vider. Ouais, je risque quelque chose avec un pompe. J'y crois pas, moi. Le pompe, il va me carry. Peut-être qu'avec une torche, je verrai mieux. Ça, c'est sûr. Hein. Faut croire que la torche, à mon avis, elle va me carry. Et là, je vais prendre le caillou. Le seul caillou que j'ai vu. Pour péter la porte. En espérant qu'elle soit assez agile. Parce que ça a l'air... Elle a l'air... Putain, le fantôme, il me fait trop peur. Elle a l'air quand même... Que je fasse ça parce que je suis Keblo. Je vais mettre ça là. Voilà. Ça, c'est cool que ce soit destructible et que ce soit en morceaux et qu'il y a la physique dessus. C'est incroyable ça. Pour moi. Je pense pas que ce soit si incroyable. J'y vois que dalle, je me pète le cul. J'aurais dû prendre, tu sais, une torche luminescente là ou quelque chose. Il y a un truc au milieu. J'ignore ce que c'est. Oh, il y a des tonneaux explosifs. C'est fini. C'est fini, les gars. J'ai
J'ai raison, hein. Vous voyez le machin là debout ? Qui a un dos accroupi et tout ? C'est un putain de monstre. Ok. Détonateur. Oh, oh. J'ai le détonateur. J'ai le détonateur, les gars. Putain, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, du coup? Je peux lâcher la clé à molette? Ah! Casse les couilles. Casse les couilles. J'ai envie de lâcher une grenade, moi. Casse les couilles. Vas-y, je suis obligé. Et maintenant, je me fais péter le cul. Ça ? Ouais, forcément. Tiens, un esprit qui fait trop bader. Vous avez vu la gueule de l'esprit ? Je suis trop badé. Ah, c'est pas solide, hein, Théma. Mon bonhomme, il prend ça à deux mains, là. Prêt ? Pensez que je devrais revenir en arrière, ou voilà. Oh, j'ai trop pas envie d'aller là. Parce que je crois que si je vais là, je me fais baiser. Ouais. Moi, je suis chaud, on retourne en arrière, là. Parce que j'ai pas de couilles. Je chie dessus. Vous voyez pas mes yeux, mais c'est parce que je suis trop bresson là. Pose la casquette. Je l'ai vu. Moi, pour moi, les fantômes, ça fait plus peur que les monstres. C'est pour ça les jeux style Visage, Madison et tout, c'est les pires jeux pour moi. Je suis du genre à avancer très très lentement dans ces jeux là, comme ça. Parce que je me chie littéralement dessus. Un truc que je peux pas faire, je crois. Attendez. Oui. Je crois que je peux pas revenir en arrière. Je dois aller où? Je suis où? The bitch, je suis où? Sa mère, ça fait trop peur. Je suis dessus. Corps. Des balles. Corps. Détonateur. Je dois sauvegarder, il me faut une sauvegarde. Où ça? Je me barre. J'ai vu le chemin, je me suis dit, oh, dans les deux cas, il fait bader dans les... les deux chemins me font bader. On va peut-être trop prendre le tunnel. Le tunnel me fait bader aussi, mais moins. Et en fait, non, je pense que je me fais bader dans les deux cas. Donc je me dis, putain, si je m'éloigne, je vais devoir revenir ici après. On va aller dans le tunnel. On va aller dans le tunnel badant. Avec nos grenades, nos 5 grenades, et on va se faire bader, d'accord? Allez, c'est parti. Il y a des champignons et tout. Il va sûrement y avoir un sgeg monstrueux. On va se faire attaquer par un sgeg monstrueux, d'accord? En plus, c'est beau, là. C'est beau, mais c'est la merde. Ah ouais, oh, la gueule du décor. C'est le trou du cul! On est dans le trou du cul cosmique. Oui. Okay.
C'est là, c'est la surface. Et au début du jeu, on commence ici. Enfin, au début du jeu, il y a notre pote qui est au milieu du cratère. Parce que ça, c'est un truc qui s'est effondré. Enfin, c'est bizarre. Mais du coup, qu'est-ce que je fais là, moi? Hein? Quel est l'intérêt de tout cela? On a la surface, du coup, le monstre, il va pas venir, je pense, non? Il y a quelque chose là-bas, regardez. C'est quand même bizarre parce qu'il y a les rochers là. Même les rochers là, ils étaient pas là au début du jeu. On dirait qu'ils sont apparus entre temps. Le code. C'est le code de Lambert. Let's go. Oh non! La poupée! Le lapin en peluche! Je sais pas ce que j'ai foutu avec ça. Le lapin en peluche! Vous savez quoi? Je vais risquer de lâcher ça. Non, 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 je peux pas. Faut pas risquer, je peux pas. Il me faut le lapin. Lapin en peluche, il a peut-être une valeur sentimentale pour quelqu'un. Peut-être lancé. Imagine, c'est le monstre qui veut le lapin en peluche. Non? Tu penses? Si je marche dans le jus cosmique, je meurs? Non. J'ai l'air d'être normal. Le jus a l'air d'être normal. Ouais. Mais par contre, il n'y a pas de sortie par ici. Je crois qu'il y aurait une échelle ou quelque chose. En fait, non. Allez, peut-être derrière le rocher, là, il y a un easter egg. Oh, les fils de pute, ils sont pas mis d'easter egg derrière le rocher. Non, c'est... Ça doit me récompenser, là. Ça doit me récompenser. Allez. Bon, du coup, bad move, mesdames et messieurs. Ce n'est pas une chose à faire. On est juste allé là-bas et on a lâché un item important. Pourquoi? Parce que j'avais envie du lapin. Ça n'empêche qu'on est toujours entouré de fils de pute. Ouf. Des esprits démoniaques. Putain. Je sais plus où je devais aller. Les gars. Gauche, droite. Y a quoi ici? Y a rien. On prend que dalle, moi, je suis du père. Parce que là, il y a une tranchée, mais il y a un rocher démoniaque qui est apparu. Ça me rappelle un film, ça me rappelle même un jeu vidéo, les rochers, tu sais, qui sont en lévitation et qui tremblent comme ça. Comme s'il y avait un magnétisme hyper puissant. Transcendait la logique. Là, je suis mal, hein. Ma sauvegarde, elle va me coûter cher, hein, les gars. Compris, on est là. Quand il paraît qu'il y a un truc. Je déconne zéro, mais on n'est pas tout seul. Quelque chose me dit que je dois fuir. Et ne pas passer par là. Donc c'est ce que je vais faire. Mais je vais le faire en faisant le tour. Parce que c'est moins effrayant. Par contre, on en parle du fait qu'il n'y a pas eu de monstre. Je comprends pas. Elle est dans la tanière du monstre là. J'ai niqué ? Ben non. Ah, lui je l'avais niqué, oui. Mais c'était pas le monstre lui. Juste un coquin. Ça merde le jeu. Je me chie dessus. Je me chie dessus. Je prends une grenade en main, j'en peux plus là. J'ignore complètement pourquoi je ne suis pas attaqué par une forme d'entité démoniaque depuis 20 minutes. J'ignore totalement si c'est fait exprès ou si un screamer va me tomber dessus à la sortie. Ce qui est plus probable, non?
Vous en pensez quoi? Il y a des musiques en plus. Là, pour l'instant, ce qui est le plus probable, c'est que je doive monter... Ah ouais, mais je peux pas. Parce que je suis tellement con. J'ai pris ma caisse entière. Jusque là. MDR. J'ai eu. Un zinzin. Ah, c'est lourd, putain. Je me accroupis pour me rassurer, parce que quand je suis accroupi, je suis moins visible. Si jamais il y a un truc qui sort d'un trou. Hop. Mon avis, je pense pas que le monstre y voit à travers la brume. Après ce qu'ils disent, il est aveugle, alors logique. Il veut mon argent, c'est sûr. C'est à ça que ça sert les monstres, non? Putain, j'ai jamais appris. Je chie dessus. Bon. À mon avis aussi. On va se faire courser. Sauf que j'ai des balles dans mon pompe. J'ai peut-être même encore une balle en plus. Regardez. Ah non, non. Il est tout dedans. Ok. Ça me fait crépiter le bide là. C'est pas vous, mais moi je crépite du bide. Je crépite de fou. L'horreur à level max. Voilà. J'ai vu un truc IRL. Je psychose. J'ai vu quelque chose de noir passer à côté de moi. Peut-être un chat. What? Vu que j'ai une oreille en moins, ça va être dur de me repérer en plus. Par rapport au son. C'est ce que je faisais avant. Le monstre fait autant de bruit que moi. Le monstre me détecte au son. Et moi aussi. Justement. Il est détecté au son. Du coup, c'était un espèce de duel de sonorité. Sauf que là, il va être trigger, je pense. Là. Il va y avoir quelque chose qui va le trigger, non? Pensez. Et si c'est le cas, du coup, je fais comment? Parce qu'il y a de l'eau. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud, ça, par contre. Je vais péter du fion. Hein. Le problème, c'est que le monstre fait du bruit, non? Le moyen que je sauvegarde? Si je sauvegarde, je suis Giga Chad. Oh oui, let's go! Maintenant, plus rien ne m'arrêtera. Parce que j'ai sauvegardé. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai le détonateur maintenant. Du coup, il me reste plus qu'à repartir. Ouais, mais comment? Comment je passe? Il y a de l'eau. Aïe, aïe, aïe. Il y a de l'eau, il n'y a plus de courant. Aïe, 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 j'ai même pas pris le truc de... j'ai même pas pris le pétrole. J'ai pris tout ce qu'il y avait dans le jeu, mais j'ai rien pris d'autre. Je me suis pas dit, vas-y, je vais prendre le pétrole. Bon, par contre, là, je me dépêche, mais je vais me faire goumer, hein. Parce qu'on y voit que dalle. Dans ce taux de merde. Oh, il y a un endroit où il y avait un creux dans le tunnel. Face à moi. Je pense qu'il va y trigger dans le creux du tunnel et qu'il va me poursuivre après. Et que par conséquence, ça va être horrible. Je me suis trigger tout seul. Je me suis chié dessus. Je me suis chié dessus, frère. Je me suis chié dessus. Putain. Putain, je me suis chié dessus. Oh, l'eau, elle reste en bas. Putain, j'ai eu peur. Oh, pourquoi il se met debout? C'est assis, frère. On est poursuivi par Golemon-San. Golemon-San. On va remonter ça, ça sert à rien. Miaou. Si je le descends, ça allume. Il faut que j'écho. Mais je peux pas, j'ai plus d'essence.
Aïe aïe aïe, on joue en hardcore alors là du coup. Ah oui. Je suis con. C'est le mode hardcore, mesdames et messieurs. Le mode sans lumière. Mais avec un fusil à pompe. Qui one shot sûrement. Let's go, il est là. En fait, il reste dans le bunker. Je croyais qu'il descendrait dans les ruines. Mais pas du tout. Il en a rien à foutre. On prend son temps, les gars. J'arrête à 17h, j'ai le temps. J'ai le temps. Je vais sûrement finir le jeu d'ici là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je comprends rien. Je deviens fou. Par contre, le peluche du lapin, j'ai peur qu'elle serve à rien non plus. La peluche du lapin, vous avez une idée de ce que c'est? C'est très étrange qu'il y ait ça. Et qu'il y ait une indication qui me dise que je peux... l'utiliser. Mais peut-être que ça appartient... au monstre. Et qu'en fait, le monstre, c'est un gosse qui s'est transformé en démon. Je sais pas quoi. À cause des expériences des méchants. Les méchants NZ. Sans dire le nom. Après, je peux dire le nom, hein. C'est historique, mais... Il y en a qui veulent pas parce qu'ils trouvent que c'est banable et tout. Oh mon dieu, il a dit le NZ. Ouais, aujourd'hui, on est trop censuré. Par ce qu'on dit sur les réseaux. Mais peut-être qu'avant, on l'était pas assez aussi. Il y a 10 ans. Je trouve que c'est aberrant le fait qu'ils aient censuré sur YouTube aussi. Les gros mots et tout. Ça fait partie du vocabulaire, non? Il y a autant de gros mots que d'adjectifs dans le monde. Aucun rapport. Il va falloir que j'aille là-bas. Absolument. Ils sont à ma poursuite. Putain, il y a un trou là. Je rigole pas, hein. Il me colle. Let's go. On a tout, les gars. Let's go, let's go. Let's go. Là, on peut lâcher, je crois. Là, c'est dans la boîte. Là, c'est dans la boîte. Ça. On est bien, mais il n'y a plus de courant. Mais le problème, c'est que j'ai plus besoin de courant maintenant, puisque je vais sortir du bunker. Alors pourquoi? Pourquoi il y aurait un truc avec du courant? Peut-être parce que ça va me baiser, l'explosion de la dynamite. Peut-être parce que le monstre va m'attaquer. Vu que c'est Trigger et qu'il y a sûrement un scénario où le monstre m'attaque pendant que je pose mes trucs. Moi, j'y crois. Dur comme popotin. Mais en faisant ça... Oh putain. Et en faisant ça, je gagne un emplacement. Et donc, par extension, je vais aller chercher quelque chose. Pour me sauver. Par contre, le monstre est dans le coin. Et qu'est-ce que je pourrais prendre, à votre avis? Ça, c'est un peu claqué, j'en ai plein, mais je sais pas à quoi ça sert. Là, les bouteilles vides avec tissu, ça sert à rien non plus parce qu'elles sont vides. Donc on va quand même prendre ça au cas où. Je pense que c'est claqué de base. Oh, waouh, il fait des moves bizarres, lui. Là, il nous restera un inventaire en plus au cas où. Et je pense que je vais aller poser mon truc et je vais me faire attaquer ça. Après, quand je vais péter ça... C'est quoi la logique, frère? Je la mets dedans. Je fais comment pour faire ça? Je vais me faire attaquer, les gars. Oh. Ah non, ça va.
Je me suis chié dessus. Mais t'inquiète, j'ai un pompe. Je vais être le mec avec le plus de balles sur ce jeu. Ever. Stratégiquement, je vais sauvegarder. Pas refaire les actions si jamais je meurs en activant le détonateur. On sait jamais. Et à mon avis, le sol va s'effondrer, j'ai l'impression. Non ? Boum, c'est fini. Ah, je suis dans le coma. Je vais me faire bouffer le cul. Oh non ! Oh, il est AFK. Progression sauvegardée. Intéressant. Mais pourquoi le... Les gars... Il y avait de la lumière ? J'ai tout cassé. Maintenant, il n'y a plus de lumière. C'est quoi ce truc ? Désolé. Oh. Ah ! Ne monte pas, descend. The fuck ? Non, je suis tombé ! Ah ! Mais... Ce n'est pas gentil. Non, je comprends pas. Salut les amis! Waouh! Ok. Salut les amis, je suis choc barre de baiser. On va te pépon. On va te pépon le cul. Là, si tu me dis que j'ai pas fait beaucoup de bruit, c'est de la merde. Je sais pas combien de temps le jeu dure. Les amnésias sont pas très longs, heureusement. Que je suis lent. Dispo nous. Dispo nous, ce fils de pute. Je l'allume beaucoup, hein. D'accord ? J'ai pas envie de me faire baiser. What ? Vous voyez ce que je vois ? Au loin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous voyez ce que je vois ? Qu'est-ce que ça symbolise ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une arène ? Putain, mon perso, il voulait juste s'enfuir. Ah ben, il s'est fait choc-barre le baiser. Wow. Oh ! What ? On est où ? C'est le ciel qui pétille. C'est dingo. Oh, The Bee, c'est des ruines ou c'est... What ? Oh, il a pété le pont. Mais le pont, c'est un labyrinthe. Et tout qui tombe. Je vois rien, perso. Là, on descend, c'est l'heure du fight boss, hein. Ok ? Ok ? Le lapin en peluche, on va le tester après. Je vais le tester, je vais faire... Attrape ! On va voir comment il réagit. Ça se peut... Il va faire « Waouh, putain !» Tu m'as niqué. Et là, ça fait beaucoup de bruit, du coup, je vais pas... Je regarde parce qu'il faut que j'anticipe les moves. Et là, ça a pas l'air si ouf. Oh, il y a un pont. Attendez. Il y a des queues. Il y a deux grosses queues. Des queues tourbillonnantes. Ok. Et je crois que là, il y a aussi des grosses queues tourbillonnantes. Deux grosses queues tourbillonnantes. D'accord. C'est des chevaux. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un rat. Un rat, il a une grosse queue et il rentre sa tête dans le sol. Ok. Et là, c'est parti. L'heure de pétax.
je me chialaxe un max, hein. Les gars. Je suis en train de me chialaxe un max, hein. Donc il est. Ouais, je suis à quoi, mec? Oh, il s'est barré. Ah ah, tu es mais... Au secours. Choc barre de baiser, hein, fils de pute. Ça qu'on tue. C'est quoi? Mais j'ai juste mis une balle de pompe dans la gueule. Dis pas qu'il est mort. T'imagines? Ça, c'était juste des cailloux. Ok, vite, vite, vite. On se bouge. Oh non! I'm broken. Où risque de sortie, OMG? Ah putain, il faut tourner. Nio. Ça a été vite, hein. Cette victime. Putain. Je suis tellement à la ramasse que... Je suis du père, imagine. Ah non, c'est par là. T'imagines, c'est la fin du monde et tout qui tremble. Et moi, je suis là. Ah non, je me suis trompé de chemin. Et le fight au boss, il était évident. Waouh. Je suis choc-barre tellement c'est beau, hein. Mais c'est quoi qui fait piou-piou là? Il fait... C'est quoi qui fait tomber des chocapics du ciel? Les chocopops. Le monstre il était juste claqué. Il va mettre une balle pompe, il meurt. Depuis le début du jeu j'aurais pu le terminer. J'aurais pu lui fumer sa mère. Sa grand-mère ou son grand-père et tout ce que j'aurais pu tout fumer en fait. Wow, the forest. Ah. Ah. Oh no, I'm falling. Oh, oh. I'm falling! Oh là, je falling beaucoup, hein. Bon, ça y est, de l'eau. Oh non, I'm falling! Et du coup, il est tombé encore plus bas que ce qu'il était. Ah! Un Golemon démoniaque! Je suis dans la mer de Golemon. Plein de monstres démoniaques du Golemon. Dans une tranchée démoniaque où les gens se sont fait bouffer le fion. Par contre, j'ai la peluche. Schneider. Je me suis fait avoir, je crois. Il y a des succès, mais je les vois pas. C'est la fin, du coup. Je suis un BG, j'ai réussi. Merde! On connaît pas la fin. La fin, c'est je me fais choper par les Allemands. Let's go. C'est pas de fou. Après, forcément... L'enfer souterrain et l'enfer au-dessus, on se fait dans les deux cas baiser. J'aurais peut-être dû chercher avant d'être mort, mais je me fais baiser. On va passer parce que... On s'en fout des crédits. Mais le jeu était cool. JJ! Nous avons terminé un jeu. Oh, qu'est-ce que c'était bon, c'était dur. 4 heures de jeu, seulement. 4 jours. Oh ouais, c'est vrai. J'ai fait une sauvegarde. La plus longue sauvegarde que j'ai faite, c'était 20 minutes. J'ai fait 94 sauvegardes. Je me suis mort 3 fois. J'ai tué 10 rats. J'ai tiré 5 balles.
J'ai tiré une balle de pompe et c'est la one shot. 12 grenades lancées. Ah bah ouais, ça c'est sûr. Une grenade à gaz, ouais, parce que c'est claqué. Bombe au pétrole 2, c'est pas mal. Torche de détresse 1, objet de soin 7. J'ai rempli 25 fois le générateur. Je me suis évanoui 4 fois. J'ai déclenché 7 pièges, tellement je suis une merde. J'ai brûlé 2 corps. J'ai brûlé un feu, je sais pas quoi. J'ai détruit 10 portes. Waouh, le destructeur. J'ai été repéré par 5 fois. Et j'ai fabriqué 11 objets. J'ai tiré qu'une fois sur le monstre. Bah ouais, j'ai tiré à pompe dessus. J'ai effrayé 49 rats. Je suis le destructeur. Les rats sont morts grâce à moi. Par contre, on n'a pas compris la fin. Hein. En fait, la fin était évidente. Vous avez terminé Amnesia The Bunker pour la première fois. N'oubliez pas que chaque partie de Bunker est unique. Les objets, pièges et codes sont tous aléatoires. Faites une autre partie pour vieux l'horreur. Oh mon dieu, je ne savais pas. C'était donc aléatoire. OMG. C'est quoi ça? Il y a des addons, t'imagines? Un minimal setup pour creating custom addon. Ah! Sample. C'est une minimal setup pour creating custom map. Putain, tu peux créer des custom maps et tout. C'est sympa, c'est sympa. Mais voilà, mesdames et messieurs, nous avons fini Amnesia le Bunker. La fin était bizarre parce que j'ai quand même one-shot le monstre. Je croyais qu'en fait, il fallait péter les ponts en bois pour qu'il tombe dans le vide, mais finalement, en fait, j'ai pété un pont en bois, du coup. Il a sauté, et en sautant, il s'est accroché, mais j'ai tiré une balle dans sa tête, du coup, il est tombé après. Et je sais pas s'il est mort, par contre. Peut-être, hein, vu qu'il a fait une chute de je sais pas combien de mètres, à mon avis. Ou peut-être qu'il y a des pièges en bas, je sais pas. Mais du coup, c'est devenu un cimetière, littéralement. Voilà! N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, pour les gens de la VOD. On fera d'autres jeux d'horreur, il faudra que je commence. Je vais peut-être faire Ad Infinitum. C'est aussi un jeu d'horreur, mais c'est plus psychologique horreur. Ça se passe aussi dans la Seconde Guerre mondiale, je crois. Parce qu'il y a des délires de tranchées, etc. Mais c'est plus psychologique, donc je vais chier ma race, je pense. Et là, ça, c'est le style de jeu que j'arrive à faire. Ça fait pas extrêmement peur.